Qui élève votre invité? C'est Jack Alors, Payne. Je suis avec Jack Payne, effectivement. Je suis l'homme avec... du match. Ouais, l'homme du match, Jack Payne. Félicitations pour votre victoire. Merci beaucoup. C'est un bon match de nous et bon match à B aussi. Est-ce que ça a été dur jusqu'au bout? Le score a été serré. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer cette victoire? Ah, vraiment, c'était notre défense. Je pense qu'il est un bon adversaire. Il est monté très vite. Il a une bonne défense, bonne attaque. Mais c'était notre mentalité dans la défense. C'est pour ça qu'on a gagné aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup et félicitations pour votre victoire. Merci à vous. Merci. On va retrouver... dans quelques instants, Tristan Dupuis, le capitaine du côté d'Albi. Alors, ça a été un match à couteau tiré, ça a été dur jusqu'au bout, vous vous êtes battu. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui pour cette victoire? Tout d'abord, je tenais à féliciter l'équipe d'Avignon qui est venue gagner ici, qui nous a mis un gros match, c'était très dur. Je pense qu'il nous a manqué une grosse line speed et de l'agressivité à la maison. On n'a pas montré notre vrai visage aujourd'hui et c'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant de décevoir le public chez nous. La route est longue encore, on a du boulot et on a beaucoup de nouveaux joueurs sur le terrain. Il faut qu'on retrouve les repères, ça va le faire. Beaucoup d'abnégation, on vous sent très touché par cette défaite. Ça fait maintenant 4 défaites consécutives. La clé, elle est où? Au-delà de l'agressivité, elle est où? Elle est dans le groupe, elle est dans les consignes, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Je pense qu'on manque de dangerosité en attaque, hein. On n'arrive pas au bout de nos shapes. On ne met pas de problème à la défense et je pense que le problème est là. Il faut travailler sur la cohésion, on manque de repères entre nous. Et voilà, il faut travailler, je pense que la clé elle est là pour que le groupe évolue dans le positif. Super. Ben.